En 1977, René Lévesque écrit le livre blanc sur la décentralisation. Il aimait parler de démocratie régionale. Il proposait des gouvernements élus dans les régions du Québec qui auraient un pouvoir sur les services publics, puis également sur l'utilisation des ressources naturelles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de pouvoir en région? C'est parce qu'on est les mieux placés pour réagir aux défis de notre époque. En Gaspésie, présentement, on accueille plein de gens. Les gens veulent venir en Gaspésie. On a un problème de pénurie de logements, de places en garderie. Et les mieux placés pour dicter les politiques publiques à cet égard, ce sont les élus de la Gaspésie. Maintenant, comment pouvons-nous obtenir la décentralisation des pouvoirs vers les régions si on ne dispose pas de tous les pouvoirs nous-mêmes à Québec? On ne peut pas décentraliser des pouvoirs que l'on n'a pas. Comment voulez-vous donner aux Gaspésiens ou aux gens de la Côte-Nord le pouvoir sur les pêches alors qu'à Québec, on n'a pas les pleins pouvoirs en matière de pêche que c'est à Ottawa? Comment voulez-vous donner aux régions du Québec le pouvoir sur l'immigration alors qu'on ne dispose pas à Québec des pleins pouvoirs en immigration? Comment voulez-vous qu'en Gaspésie, à Côte-Nord, aux Îles-de-la-Madeleine, on puisse gérer nos quais puis qu'on puisse obtenir ce pouvoir-là si le pouvoir reste à Ottawa? Il y a une façon de le faire. Ben oui. Et c'est ça qu'on va faire. On va aller chercher les pleins pouvoirs à Ottawa, on va les rapatrier à Québec et on va les distribuer dans les régions du Québec. C'est ça l'indépendance du Québec. C'est un projet de pouvoir. C'est un projet de démocratie. Notre projet d'indépendance du Québec, c'est de prendre du pouvoir puis de le rapprocher des citoyens aux quatre coins du Québec.